Yo tout le monde, c'est Apollon, aujourd'hui on se retrouve pour boutique du 3 janvier 2024, j'allais dire 2023, et avant que ça commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le code créateur KTT dans boutique Fortnite, merci à tous ceux qui le feront, et n'hésitez pas à liker celle-ci. Du coup, bon là on a toujours les pistes musicales, toujours ce qui a un rapport avec The Weeknd, les instruments, la DBZ, bon c'est la plupart, etc. Oh! On a le retour d'ancien skin DBZ, on a Sand Gohan. J'ai l'impression que toutes les semaines, ils vont nous en rajouter pour dire eh, regardez, on les laisse, parce qu'au fait, on en rajoute à nouveau des nouveaux. Donc voilà, 2200 V-Bucks ce pack-là. Et on a celui-là de Piccolo pour 2200 V-Bucks aussi. Ok. D'accord, ça me change totalement de skin quand je mets ça. Ok. Pourquoi pas? C'est ok, nous avons mis tout Dragon Ball. Du coup, on a la pioche pour 800, le planeur pour 800, le skin à 1800 séparément, 800 pour l'autre pioche, 800 pour l'autre planeur. Cette fois-ci, c'est Son Goku qui arrive avec son sac à dos, sa pioche. On a Beerus, du coup, le sac à dos soit pour 2700 V-Bucks. Le pack de Vegeta avec Bulma pour 2300 V-Bucks. Et là, on a le planeur avec le sac à dos et des danses. Tout ça, on a pu les avoir gratuitement si vous étiez là à l'époque dans un mini pass de combat. Tout ça séparément, c'est 2000 V-Bucks, 1500 V-Bucks, 1800 V-Bucks, 1200 V-Bucks. Le pack à, je crois, dans les 1000 V-Bucks avec la danse. Le planeur séparément, c'est 1200 V-Bucks, 300 pour le sac à dos, 800 pour le planeur, 600 pour la pioche et le sac à dos, et 400 pour la danse, tout comme en fait les deux autres danses. On a toujours le skin Killian, c'est dommage parce que j'aurais pensé qu'il l'aurait retiré plus tôt. Là, ce que j'attends, moi il y a un skin en particulier que j'attends dans des nouveaux, c'est une variante Devi. Dès qu'elle est là, je la prends direct. On a Wong Kong. Pour 2000 V-Bucks, Chevalesse Rouge qui était revenu il y a moins d'une semaine, donc je passe assez vite. Et pas croisé avec Prise 14, ok, pour 2000 pour 200 V-Bucks. On a toujours les soldats joués, on a toujours Pionnier, toujours John Cena, toujours Futurama, là toujours les voitures, le club et les packs. Bon, la boutique, au fait, ce qui change principalement, c'est le retour de skins Dragon Ball. Donc n'hésitez pas à noter, excusez-moi, cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un 3 sur 10. C'était Apollon. À plus tout le monde!